Bonjour. Ça fait plaisir de vous parler ce matin. Donc, je suppose que vous avez passé une très belle nuit. Ici, la coach Justine, incubatrice de potentiel. Je vous aide à restaurer votre vie, vraiment à 360 degrés. Premièrement, vous découvrez qui vous êtes. Pourquoi vous êtes sur la Terre? Qu'est-ce que vous êtes là pour faire? Deuxièmement, vous commencez à développer cela. Hier, j'ai parlé de discipline pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier. Aujourd'hui, nous allons parler, aujourd'hui c'est le jeudi des amours. Donc nous allons parler d'âme-sœur. Je vais expliquer le concept d'âme-sœur. C'est quoi une âme-sœur? Et où est-ce que j'en trouve une? Je vais manger mon micro. Vous savez, si vous échouez, c'est pas la faute de votre ex. C'est de votre faute. Je sais que les relations, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. Tout le monde veut avoir une relation équilibrée. Mais si je ne sais pas ce que c'est, à quoi doit ressembler une relation équilibrée, si je ne sais même pas qui je suis, comment savoir ce que j'attends d'un homme ou d'une femme? Comment savoir ce que je veux que l'autre me donne si moi-même je ne sais pas ce que je veux? Si j'envoie l'autre au marché et que je ne sais pas lui dire voilà ce que je veux, comment je m'attends à ce que cet homme devine ce que je veux? Donc voilà, si vous venez d'arriver, connectez-vous, accrochez-vous, partagez le direct s'il vous plaît. Je voudrais que ces informations puissent aider le maximum de personnes. Donc bonjour et bienvenue. Je veux annoncer que nous avons des ateliers. Je fais des ateliers gestion financière. Comment économiser, comment rembourser ses dettes, toutes ces petits trucs sur les finances là. On fait des ateliers sur la découverte de potentiel. Comment découvrir mon potentiel. Et puis les ateliers pour les une relation normale, une vie normale. Donc c'est ça. Vos trois premiers mariages, eh bien il y a sûrement quelque chose que vous ne savez pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle d'âme sœur. C'est quoi d'abord une âme sœur? L'âme d'abord, donc la définition de l'âme. Ok? L'âme c'est pas tu vas aller au purgatoire, tu vas aller en enfer. Non. Ton âme c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Selon le dictionnaire Google, l'âme, c'est cette partie spirituelle ou immatérielle qui fait partie de l'être humain. Selon Jocelyne, j'ai fait des recherches et j'ai regardé de quoi le Webster Dictionary, j'ai regardé un peu dans deux, trois endroits. Donc, c'est... Bon. Combien de fois avez-vous laissé par mégarde un homme entré dans votre vie pour vous rendre compte trois mois plus tard, en fait, cette personne n'était pas ne correspondait absolument pas à mon âme. Mes émotions sont déjà attachées à lui. Depuis trois mois, tous les soirs, je lui parle pendant trois heures de temps. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Comment est-ce que j'ai laissé autant passer? Comment est-ce que j'ai pu m'investir émotionnellement? Je ne l'aime pas. Est-ce que vous savez même quand est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un? Est-ce que vous savez que généralement on se base sur les émotions? Ouh, ouh. Ça, ce sont des émotions, bébé. Parce qu'il t'achète du KFC ou bien du... Il t'amène chez... je ne sais pas quel resto chic de ton coin, là. C'est pour ça que tu penses que tu l'aimes. Parce que ça même fait du shopping. Si déjà ces choses-là ne te rendent pas... ne t'accomplissent pas. Comment est-ce que tu vas savoir si cet homme, en faisant ces choses, va te rendre heureuse? Ou heureux? Donc, j'ai défini l'âme. Si mon âme, c'est cette partie de moi que je ne vois pas, mais qui influence mes émotions, mes décisions, mes pensées, et comment je me sens. Si je parle d'âme sœur, ça veut dire que l'âme sœur, c'est cette personne qui est censée venir m'aider à prospérer, aider cette partie invisible de moi à prospérer, à grandir, à s'épanouir. Donc avant de dire, je
Je cherche mon âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas celui-là qui t'amène au KFC. Ce n'est pas celui-là. Ouais, je veux ceci. Il couille pas, il te donne. Ce n'est pas ça ton âme sœur, ma chérie. Donc, il y a trois passages de la Bible. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur a soufflé dans l'homme et il est devenu une âme vivante. Jacques 1, verset 21. Ça parle de l'état de l'âme. Marc 8, verset 36. Si un homme gagne tout l'or du monde et il perd son âme. 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, les choses de ma vie, l'argent que j'ai, le bonheur, tout ce qui est dans ma vie dépend de l'état de mon âme. Ça veut dire que mon âme, ce n'est pas ce qu'on m'a expliqué là. On vous a donné une définition de votre âme. Et si ce n'était pas ça votre âme? Bonjour Frida Yolande. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes... Ma mission c'est d'éduquer. Je suis là pour éduquer et enseigner autant que possible la société. Donc, si mon âme c'est cette partie que je ne vois pas, je ne peux pas toucher, qui est psychologique, émotionnelle et qui contrôle, qui inclut mon esprit ou mes pensées, ma volonté, mes émotions, mon imagination, mon affection. Mon âme sœur maintenant, c'est cette personne-là qui va venir et qui va aider mon âme à s'ouvrir, à grandir. C'est comme cette personne qui va venir aider la fleur de mon cœur à grandir et porter les fruits. Si vous êtes dans un mariage, en entrant dans le mariage, vous étiez 2 ans plus tard, vous êtes... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma vie va suivre l'état de mon âme. Dieu ne va pas vous envoyer quelqu'un qui va nuire à votre âme. La Bible dit, garde ton cœur avec diligence. Protège. Je viens vous suggérer aujourd'hui d'avoir une passoire. Pas une barrière, c'est-à-dire je n'aime plus, c'est bon. Depuis que le père de mes enfants m'a laissé avec 4 enfants, il est parti. C'est fini. Non. Je viens vous demander de mettre une barrière. De mettre une barrière. Vous savez, il y a des portails que quand tu arrives, le vigile te demande c'est qui. Tu veux quoi? Tu cherches qui? Tu vas où? Il te dit attends. Il appelle la personne. Est-ce que tu l'attends? Mettez la barrière sur votre âme. Cette barrière, ce portail. Ne mettez pas le mur. Donc, cet enseignement, vous pourrez le trouver en entier pour ceux qui veulent vraiment travailler sur cet aspect-ci. J'ai fait un programme que je vais mettre sur la page, vous pourrez acheter pour pouvoir vous éduquer sur là-dessus. Comment reconnaître dans mon âme, sœur? Cette personne vient par révélation, pas par manipulation. Cette âme, sœur, ne va pas vous manipuler. Ah oui, tu sais, j'ai rêvé que le pasteur a dit qu'on est censé être ensemble. Non, non, non. Ou bien oui, comme tu as besoin de papier, oui, viens, tu es peut-être mon âme sœur. Peut-être que c'est moi que Dieu a envoyé pour te donner les papiers. L'âme sœur ne vous manipulera pas. En numéro 2, les valeurs de cette âme sœur vont s'aligner avec vos valeurs. C'est-à-dire, ces valeurs vont vous compléter. Je vais expliquer. Supposons que vous valorisez l'intégrité. Vous n'aimez pas. Donc, vous ne mentez pas. Vous n'aimez pas tromper les gens. Vous ne pouvez pas sortir avec un féman. Il va frustrer votre âme tous les jours. Parce que sa profession, c'est mentir. C'est comme ça qu'il fait son argent. Et ça ne dérange pas son âme. Mais vous, ça va vous déranger. Donc, les valeurs que vous recherchez, ça doit être quelque chose que cette personne... Ça reste les valeurs de cette personne aussi. Sans votre appui, sans que vous ne demandez oh, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu n'es pas aussi juste comme tout le monde? Non. Parce que si vous imposez, il va changer pour un moment. Parce que ce n'était pas dans sa nature. Un moment, il va partir. Si vous êtes seul, célibataire, c'est le moment pour vous d'écouter ces choses-ci. Donc, supposons peut-être que vous aimez le genre de fille qui... Vous aimez les gars qui sont slick.
Ouais, un peu le genre de filles, vous aimez les gars qui sont toujours bien coiffés, toujours bien. La chaussure est toujours propre. Vous ne pouvez pas sortir avec un gars qui se néglige. Le genre de gars que il porte la chaussure, même pas les chaussettes. Il porte parfois l'habit, n'a même pas porté le caleçon. Il se baisse. Ça va vous frustrer. Il va peut-être changer pour vous. Parce que c'est vous qui allez nettoyer ses caleçons, peut-être. Parce que vous, à un moment, il va être. Ah. Donc, ce que vous recherchez et dont vous avez besoin, ça doit faire partie des valeurs de la personne, de cette âme sœur. En numéro 3, cette âme sœur-là vient pour vous compléter. Pas pour vous remplir, genre, sans moi, tu n'étais rien. Quand elle était trouvée, tu étais dans la rue. Tu ne savais même pas te laver. Je t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. Non. Juste sur le côté, déjà, Dieu vous donne quelqu'un qui vient pour vous aider à faire ce que vous faites déjà. Dieu n'envoie pas de la compagnie, il envoie de l'aide. Donc vous devez être déjà en train de faire quelque chose. L'homme là arrive, il te voit, waouh, tu as commencé à faire les vidéos depuis. Je serai ton manager. Je vais aller faire ta publicité. On va te créer un site internet. On va créer ta page. Comme ça, tous les enseignements, là, on va les mettre sur ton site. On va faire. Voilà ce que l'homme vient faire. Voilà ce que l'homme vient faire. Max, vraiment, ma voix m'importe peu. Hein. C'est un outil que j'utilise pour communiquer. It's the tool that I use to pass the truth onto you. Même si je me lève le matin, je fais. Je vais seulement enseigner comme ça. Donc, cette âme sœur n'est pas là pour vous faire ce chantage. C'est-à-dire, c'est moi qui t'ai construit. The Gift Digger Academy, si c'est moi qui. Sans moi, on n'en est même pas connaître ton The Gift Digger Academy là. Tu étais quoi avant moi? Non. Cette personne vient prendre ce que vous étiez en train de faire à un autre niveau. Il amène ça à un autre niveau. Donc, vous, cette personne vient amplifier ce que vous êtes déjà en train de faire. C'est pour ça que, en attendant cette âme sœur, cherchez votre mission de vie. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Vers qui est-ce que j'ai été appelé? Qui est-ce que je suis censé aider? Et cette aide n'est pas gratuite. C'est pour ça que je vous dis, mes services ne sont pas gratuits. Je mets assez de contenu là, sur la page, pour que vous écoutiez. Mais si vous voulez aller plus loin, mes services sont payants. Voilà. Donc, j'ai dit, cette formation, je vais l'enregistrer. Et puis, je vais mettre ça en ligne sur... j'ai une page où je mets mes formations. Pour ceux qui veulent vraiment entrer dans la profondeur de ça. Et vous voulez vraiment... Dans cette formation, d'un côté, vous allez devoir d'abord vous comprendre. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes envies? Peut-être vous aimez un genre de gars qui a les... Qui, je sais pas, qui a les abdos, vous ne le savez même pas. Peut-être vous aimez les filles brunes, mais vous ne le savez pas. Bon, par déduction, j'ai une fille qui a un peu son ventre. Vous aimez les filles au ventre plat. Et vous tombez sur une fille, bon, on va gérer son ventre. Bon, elle n'est pas trop brune, mais bon. Après quelques deux semaines, deux mois, il faut que tu te... Faut faire le job ensemble parce que moi, j'ai besoin d'une femme qui est de clair, de peau claire. Donc, que vous puissiez d'abord vous comprendre, vous comprenez qui vous êtes, ce que vous aimez. Comprenez ce que vous aimez. Et après, vous pouvez sélectionner maintenant et comprendre comment sélectionner à travers les critères que j'ai. Et que cette personne, certes, la personne n'a pas 100% de ce que vous recherchez, mais il y a des critères essentiels. Si peut-être tu es grande taille, et tu es mal à l'aise avec les hommes qui sont petits détails. Tu ne vas pas aller choisir en disant, bon, il a l'argent. Bon, il vous occupe bien de moi. Un jour, ça va te frustrer énormément. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et ne vous laissez pas... ne vous laissez pas distraire négativement. Parce que vous ne connaissez pas... Quand j'ai expliqué pour l'âme, là, vous comprenez même que votre âme, vous ne saviez même pas ce que votre âme est. Éduquez-vous, s'il vous plaît. Instruisez-vous sur vous. Instruisez-vous sur les finances. Comment élever bien un enfant. Donc, tous ces enseignements-ci, je donne ça chaque jour sur la page. Mais peut-être vous venez de vous connecter et vous ne,
en fonction du sujet qui vous tient à cœur maintenant. J'ai regroupé les enseignements. Je vais bientôt publier. Je les ai regroupés. Comme ça, si pour vous, c'est les finances. Vous pouvez aller vous acheter le lancement sur les finances. Vous écoutez tout sur les finances. Ça va ouvrir votre compréhension. Ça va vous permettre d'être effectif dans vos finances, de mieux gérer vos finances. Donc, merci d'avoir regardé et d'avoir partagé cette vidéo. Passez une très belle journée. À ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.